Tony Serrano gère ce bureau de tabac depuis 6 ans et partira bientôt à la retraite. Son commerce a beaucoup souffert de l'augmentation de la fiscalité en mars dernier. Sur le prix d'une cigarette vendue, Tony ne garde que 7%. Pour lui, le modèle économique du buraliste n'est plus viable. Le commerce le plus sûr, mais c'est le plus cher aussi. Ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'il n'y a que des vieux buralistes. Les jeunes buralistes, c'est rare, parce que l'investissement est trop lourd. C'est pour remédier à ces difficultés que la Confédération nationale des buralistes s'est associée au gouvernement. Son président s'est rendu à Annecy pour présenter cette nouvelle coopération avec un message bien précis. La lutte contre le tabac ne doit pas menacer le commerce des buralistes. On est partenaire de la santé publique à condition qu'elle ne soit pas faite au détriment du réseau des buralistes. Ce qui nous a souvent amené à manifester cette incompréhension, cette injustice, parce que les fumeurs ne diminuaient pas, ils achetaient ailleurs, hors réseau légal. C'est ce qui a provoqué la colère. Mais aujourd'hui, nous sommes des entrepreneurs responsables. Nous avons, avec le ministre Gérald Darmanin, passé un nouveau contrat le 2 février dernier, mais également avec les partenaires économiques, la Française des Jeux, Logista, tout ça en espace de 3 mois de négociations. Nous sommes sur le terrain pour l'expliquer, cette évolution nécessaire et l'accompagnement que la Confédération des buralistes met au service des 25 000 entreprises. 80 millions d'euros vont être investis dans les 4 prochaines années pour aider les bureaux de tabac. Les plus fragiles se situent dans les zones rurales et frontalières et pourraient alors obtenir une prime de diversification. Une aide inutile pour Sylvain Clavel, cette buraliste a déjà pris les devants en se réorientant dans la petite épicerie et l'alcool. Je pense qu'on est grand, hein, donc on s'est diversifié tous chacun, je pense. Et puis oui, c'est bien qu'il soit derrière nous, qu'il y ait quelqu'un qui gère avec l'État. Mais je ne pense pas que l'État, personnellement, ne va pas faire grand-chose pour nous, hein, au contraire. Hein. Le plan de transformation incite les buralistes à se convertir au vapotage. En effet, le ministère de la Santé s'appuie sur cette solution alternative pour réduire le tabagisme. L'objectif étant d'avoir 5 millions de fumeurs de moins d'ici 2027.